on est ici le jour 2. Oui. Le on-off. Quoi? C'est bien ce système. Ouais, comme ça on ne gaspille pas. Donc aujourd'hui, on est le jour 2. Donc on est à Bray-sur-Somme. Et nous allons nous diriger vers Viviers. Sur mer, je crois. Viviers sur mer. Je confirmerai ça tantôt, mais Viviers sur mer. Ce matin, on a passé son temps à coller les stickers avec notre nom, comme ça vous pouvez nous reconnaître. Notre code QR sur la porte arrière. Et ici, après, on collera le sticker des copains sur la porte arrière parce qu'on a trouvé la place. Donc, on va faire ça. Alors aujourd'hui, on a dit qu'on collerait les stickers des copains. Donc, on nettoie. Et le premier, c'est celui de Los Hello. Voilà les copains, vous êtes collés, vous venez avec nous. Et il a fallu que tu descendes même qu'il y avait la marche. Alors on est le jour 2, on quitte Bray-sur-Somme et on se dirige vers le Viviers-sur-Mer. Donc on est parti pour 300-400 km. C'est Paris en plus. Ça sonne ? Bonjour, bienvenue chez Camping Karma. Notre service client est ouvert de 8h à 23h. Si vous êtes sur une aire et que vous souhaitez une assistance immédiate, appuyez sur 1. If you are on an area and require immediate assistance, oui. Press 1. Oui. Si vous... Donne la carte, j'ai le numéro et tout. Bien chargé. C'était Campica par Jérémy, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur. C'est... En fait, on vient de... Enfin, hier, on est rentré sur l'aire de Bray-sur-Somme. Et ici, on veut sortir, mais la carte apparemment ne passe pas. Il nous demande de vous téléphoner. Et c'est pour sortir de Bray-sur-Somme. C'est ça. D'accord, je vais vous ouvrir manuellement. Vous aviez rechargé la carte Oui, il y a 100 euros dessus. Parfait. Un petit problème de système, je peux plus consulter les cartes, je vais vous ouvrir. Est-ce que c'est ouvert? Oui, voilà, c'est ouvert. Est-ce que normalement maintenant c'est réglé ou alors parce qu'ici on se dirige vers une autre. Oui, c'est réglé, vous inquiétez pas. Dès que le système est retrouvé, j'ai pris note et je vous valide la sortie à midi. Ça va, c'est gentil, merci. Voilà, passez une bonne journée. À vous aussi, au revoir. Ici, nous nous sommes arrêtés à la falaise Sainte-Colette. C'est un point de vue. Et en contrebas, il y a les étangs de la Barrette. Un petit tour et puis ça en va.
T'en as pipi, loulou? Ici, en tous les cas, il y a un point de vue déjà incroyable. Mais alors là-bas, à mon avis... Ah, j'aurais dû prendre un sac. Parce que si... Un sac. Parce que s'il fait... Alors, ce soir, on est à Viviers-sur-Mer, à Le Viviers-sur-Mer. Et ce soir, on va manger. Donc, on vient d'arriver, on a fait. Combien d'heures de route on a fait? Avec quelques petites haltes, mais on est parti vers midi et demi de Bray-sur-Somme. On s'est arrêté une ou deux fois pour le chien et on a découvert un point de vue. Le point de vue de Saint-Colette, je crois. Et ici, on est en train de se faire une petite salade César. Donc, il y aura des tomates, des concombres, du parmesan, des avocats. De la salade, on a coupé des blancs de poulet en aiguillettes et mon chéri a fait une sauce César maison. Quand on vous dit qu'on fait des sauces César maison, des sauces bolo maison, du couscous maison, c'est pas quand on est en train de partir, c'est on les prépare avant, on les congèle comme la bolo, on la congèle, on la dégèle le jour où on en a besoin. Ici, le poulet était frais, donc on avait pris poulet, salade et tout ce que je viens de vous énumérer. Et la salade et la sauce César, on l'a fait le jour où on part. Et je vous mettrai la recette dans le blog, comme ça vous l'aurez. Et donc voilà, le petit récapitulatif, il fait tout noir déjà, donc on n'a pas eu le temps d'aller voir... ici dans les alentours, on fera ça probablement demain matin ou pas. On ne sait pas. Donc on aimerait aller vers Brest. Peut-être pas Brest même, mais autour de Brest. Et on verra comment ça va se combiner. Donc, je vous dis bon appétit et à demain. Donc voilà, ici je voulais vous montrer la sauce. Et voilà. La sauce César maison, des avocats, un oignon rouge, du parmesan, du concombre, la tomate, des oignons et la salade.